L'école africaine de football a organisé un match le samedi dernier au stade Idrissa Mamadouya. Objectif, mobiliser les partenaires pour secourir les écoles de football au Tchad. Falambi Soulougan. Dans le souci de redynamiser le football tchadien qui vit dans une léthargie sans précédent, l'école de football africaine développe des stratégies à la base pour donner une impulsion au football tchadien. C'est dans ce sillage que cette rencontre amicale est initiée pour mobiliser des partenaires afin de soutenir les écoles de football. Pour Wang Diawe, hôte de la rencontre, ce match l'a permis de découvrir des jeunes talentueux. Wang Diawe de poursuivre que son institution est disposée à apporter un appui à l'école de football africain. Tahir Zakaria, entraîneur de l'école de football africain, a saisi cette perche pour interpeller les institutions à soutenir les écoles de football. Ce qui est déplorable aujourd'hui dans notre pays, on a des entreprises qui sont là en place des années, mais ils n'arrivent même pas à jeter un seul ballon aux écoles de football. Et chacun parle de son côté. L'évolution de l'école de football tchadien, l'équipe nationale a été bâtie parce que personne n'a participé. L'école de football africain compte environ 300 jeunes répartis dans les 10 arrondissements de la capitale.